La perversion, c'est l'action de détourner quelqu'un ou quelque chose de sa vraie nature. Donc vous imaginez bien que le pervers narcissique, il va faire en sorte de prendre quelqu'un et d'en faire tout autre chose que ce pourquoi normalement il fait. Quand tu es un pervers narcissique, non, c'était pas un pervers narcissique. Pour exister, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir de l'autre à ses dépens. Parce que il faut savoir que l'autre n'existe pas. L'autre, ce n'est pas un sujet pour le pervers narcissique, c'est un objet. Il n'existe pas. Il n'y a qu'une seule personne qui compte pour lui, c'est lui. Voilà, il n'y a qu'une seule personne qui compte pour lui, c'est lui. Oui, je vais laisser la rediffusion. Alors, voici comment ça va se dérouler. Dans un premier temps, je vais montrer ce que ça représente en fait. Qu'est-ce que c'est que les pervers narcissiques représentent? À quoi est-ce qu'on peut les comparer? À ce qu'on peut comparer les pervers narcissiques? On va en parler dans un instant. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent au fond? Parce que tout le monde a une motivation pour faire quelque chose et même les pervers narcissiques, ils cherchent à faire quelque chose. Ensuite, on va aller sur les causes parce qu'on ne devient pas pervers narcissique. Comme ça, bonsoir Réservoir Film, bienvenue. On parle des pervers narcissiques et de leurs mécanismes ce soir. Les causes des pervers narcissiques, bah, c'est vraiment pas compliqué. On a tous la même cause à la base par rapport à tout, salut Cynthia, par rapport à tous nos problèmes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on a des mécanismes différents pour agir en conséquence. On est tous tombés un jour ou l'autre sur un pervers narcissique, c'est pas faux. Je pense que c'est vrai. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce périscope. Merci d'avoir invité les abonnés Réservoir Apps. Et bien sûr, la stratégie utilisée par le pervers ou les pervers narcissiques, sachant qu'une chose, c'est que les pervers narcissiques, ça se conjugue au masculin et ça se conjugue au féminin. Allez, on est parti. Maintenant, les pervers narcissiques et leurs mécanismes. Alors, au fond, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Selon vous, à quoi est-ce que ça ressemble, les pervers narcissiques? À qui est-ce qu'ils peuvent ressembler? Les pervers narcissiques, à qui est-ce qu'ils peuvent ressembler, selon vous? Vous avez l'image de quoi? Ça vous fait penser à quoi, un pervers narcissique? À moi, Loulou. Alors attends, attends la fin de la conférence. Ne penses-tu pas que c'est un comportement typiquement masculin? Pas du tout, parce que moi j'ai connu beaucoup de perverses narcissiques. On appelle ça des manipulatrices, mais là c'était bien plus parce que on était dans la description aussi. Perverses narcissiques, et ça existe. Il n'y a pas que les hommes, mais on n'en parle pas beaucoup des femmes parce que justement les femmes, c'est bien connu, ne font pas de mal. Et lorsqu'un homme se plaint, il est la risée des commissariats. Il faut le dire. Il est la risée des commissariats. Alors voilà, moi je vous ai simplement fait languir là pour vous expliquer. Tout simplement, il y a des femmes aussi bien sûr. À quoi ressemble? Ben, ça ressemble à ça. Vous allez voir tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à des vampires. Ce sont des vampires. Pourquoi des vampires? Parce que si vous connaissez bien le mythe des vampires, si vous avez lu Bram Stoker un petit peu, ouais, j'ai hésité à mettre ces photos, mais il fallait vraiment que je sois dans le pour vous expliquer qu'est-ce que c'était qu'un manipulateur, qu'un pervers narcissique. On est vraiment Anne Rice aussi, absolument. On est vraiment dans le vampirisme. C'est-à-dire que les vampires, ce sont des séducteurs. Ce sont des séducteurs qui vont pomper l'énergie des autres. Ils vont pomper l'énergie des autres. Et ce sont des personnes qui vont vous faire perdre de l'estime de soi et donc forcément de la confiance en soi. C'est ça qui va se passer. C'est que tant que vous avez de l'énergie, ils vont vous prendre toute votre énergie. Mais ça ne se voit pas du tout au début. Si vous avez lu Bram Stoker, si vous avez vu le film de Bram, c'est de Palma, je crois, hein, qui a fait le film Dracula, vous voyez que c'est un séducteur. Vous voyez que c'est quelqu'un qui petit à petit vous prend dans ses filets parce qu'il a du charme. Il a un charme, il a une façon de parler, il a une rhétorique assez intéressante. Et puis il va vous mettre en valeur. Oui, Coppola, pardon, Brian De Palma, pardon. Oh là là, mille excuses, Rémi, c'était Coppola. Bien sûr, Francis Ford Coppola, Dracula. Et donc, ce sont des gens, des séducteurs qui vont petit à petit vous mettre dans leur filet. Ça ressemble à ça, en fait. Et alors, il y a deux façons d'exister dans la vie. Vous avez la façon
de briller dans un premier temps. Et puis vous avez une deuxième façon. La deuxième façon, c'est d'écraser les autres, c'est de rabaisser les autres. Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent au fond? Ils cherchent de l'attention. Ils cherchent de l'attention. Ils cherchent de l'amour. Cet amour qui a été complètement détruit pendant leur enfance. Généralement, c'est à l'enfance que ça se passe. Soit ils ont été trahis, soit ils ont été humiliés, soit ils ont été rejetés, soit ils ont été ignorés. Vous avez l'acronyme qui s'appelle TRAHI, c'est dans les cinq blessures de Louise Bourbeau, les cinq blessures qui empêchent d'exister par soi-même, qui empêchent d'être soi-même. Ça s'appelle TRAHI, c'est trahison, rejet, abandon, humiliation, il m'en manque un, trahi, humiliation, bon, enfin vous avez compris. C'est ça. Vous avez deux façons d'exister. Soit vous brillez de votre être avec l'amour, avec votre talent, avec vos caractéristiques, avec tout ce qui est intéressant. Et vous avez une autre façon de briller. J'appelle ça la façon Louis de Funès. Voilà. La façon Louis de Funès. Écoutez bien. Je vais devoir enlever le micro. Écoutez bien. La deuxième façon d'exister, c'est celle de rabaisser les gens. Et c'est comme ça que ça se passe. Et vous êtes trop grand! Vous êtes mon valet, vous êtes trop grand! Alors, allons, allons! Il faut que je vois ça, là, je vois pas. Voilà, là, je le vois, ça va. Voyez Yves Montand, comment ça se passe en fait? C'est qu'il est obligé, de se rabaisser, il est obligé de se rabaisser pour faire en sorte que, ben, en fait, ça fonctionne pour lui, quoi. C'est-à-dire que. Pour faire en sorte que Louis de Funès se sente bien. Je vais vous la remettre, celle-là, parce que je pense que c'est pas mal de la remettre. Alors, est-ce que je sais la remettre? Oui, je vais la remettre juste après. Et vous êtes trop grand! Vous êtes mon valet, vous êtes trop grand! Alors, allons, allons! Il faut que je vois ça, là, je vois pas. Voilà, là, je le vois, ça va. Voilà, il demande à son valet de se rabaisser pour faire en sorte qu'il se sente vraiment mieux dans ses baskets. Ça, c'est vraiment typique des personnes qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas d'estime, et on est vraiment dans le manipulateur. Sauf que le manipulateur, il a une méthode, il a une sacrée méthode. Ouais, vous avez bien, voilà. Premièrement, il va chercher une proie. Premièrement, il va chercher une proie. Alors, c'est une proie forcément qui va avoir une estime plutôt basse, hein, plutôt une confiance plutôt basse, voilà, et puis pas forcément quelqu'un de timide aussi, c'est pas mal ça, ouais, quelqu'un de timide généralement, c'est ça qui va se passer. On pourrait dire oui, quelqu'un de faible, comme tu l'as dit, ouais. On pourrait dire quelqu'un de faible. Donc ça, c'est premièrement, il va repérer la proie. Alors ça, il va se rendre compte très très facilement. C'est quelqu'un qui a besoin d'attention. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de faire en sorte de se sentir bien. Donc là, il va pouvoir commencer. Oui, il va pouvoir commencer son attaque. Et ce qui va se passer, c'est que il va séduire cette personne. Alors là, j'essaie de faire tout ça en même temps. Oui, bon, je fais la technique en même temps et tout. Alors voilà, ça c'est le premièrement en fait, c'est plutôt il va chercher à voilà, c'est la séduction. Voilà. D'abord, c'est la séduction. Il va chercher quelqu'un de avec une faible estime et il va séduire la proie. Et généralement, ça va fonctionner parce que la personne va représenter exactement tout ce que vous aimez chez quelqu'un, tout ce que vous aimez. C'est-à-dire que, voilà, là, vous êtes ici, voilà, lui, il est là, et vous avez votre filtre, et ça, ce sont toutes vos aspirations. Voilà, toutes vos aspirations. Et ces aspirations vont correspondre à cette personne qui, pour vous, va ressembler à la personne idéale. Voilà, ça va être la personne idéale. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que pas du tout, parce que c'est un jeu qui va jouer. Deuxièmement, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous valoriser. Valorisation. C'est la valorisation
Parce que il va vous mettre en valeur, il va dire que vous êtes magnifique, il va dire que vous êtes incroyable, il va dire que vous êtes génial, il va dire que vous avez tous les talents de la terre, il va dire que c'est pas normal qu'on vous connaisse pas, c'est pas normal que vous fassiez pas tout. Bonsoir, c'est pas normal, c'est pas normal. Il va vous dire c'est pas normal. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une espèce de création, il va créer une espèce de relation, voilà, de relation. Génial quoi, voilà, idyllique. Génial, j'y arrive pas à écrire, voilà. Génial, idylle. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Il va y avoir une relation géniale. Ensuite, troisièmement, ce qui va se passer, c'est que comme cette relation, elle est géniale et qu'il va vous donner tout, eh bien, il va créer, création, voilà, création d'une. Selon vous, c'est quoi une dépendance? Voilà. Tout simplement. Une création de dépendance. C'est ça, tu avais compris. C'est une création de dépendance. Vous devenez dépendant de l'autre. Vous demandez des compliments, il vous en donne. Devenez dépendant des compliments. Devenez dépendant de tout ce qu'il vous donne. Vous devenez dépendant de lui ou d'elle, hein, puisque ça se conjugue aussi au féminin. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est que une fois que vous êtes bien dépendant, il va y avoir une autre phase. C'est la phase de dévalorisation. Voilà. Vous êtes dans la dévalorisation. Voilà. J'ai plus beaucoup d'angles. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je vais peut-être mettre un peu plus de. Excusez-moi, je règle aussi la technique en même temps. Ouais, je vais mettre 15, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Dévalorisation. Il va vous dévaloriser. D'un seul coup, vous allez devenir une merde. Oui, il le fait consciemment. Il le fait consciemment. Après, il va passer son temps. Oui, il va nous critiquer. Il va faire exactement l'inverse de la phase, de la phase 2. Voilà. Ça va être l'inverse de la phase 2. Il va faire en sorte de vous faire croire que vous êtes une merde. Il va faire en sorte que vous faire croire que vous n'avez pas tous les talents. Il va vous dire, mais tu sais, finalement, je crois que si tu n'y arrives pas, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, je pense que ta coiffure, c'est pas la bonne. Je pense que c'est pas bien que tu t'habilles comme ça. Je pense que c'est. Alors, peut-être que vous êtes d'accord avec lui, mais si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous êtes déjà dans quelqu'un qui va essayer de vous faire changer. Il va vous rabaisser, il va vous faire changer pour être non pas comme il faut, mais comme lui veut. Mais pour une seule raison, pour faire en sorte que vous restiez avec lui. Oui, il choisit sa proie, il choisit comme quelqu'un de plutôt en manque d'estime. Non, les trois premières phases ne suffisent pas parce que la création de dépendance, ça suffit pas parce qu'il y a des gens qui sont dépendants comme ça, mais ils sont pas dans la dévalorisation. C'est à un moment donné, ça marche plus. À un moment donné, ça va plus marcher. Alors, la phase suivante, alors là, c'est une phase assez dure. C'est vous rentrez dans le triangle. Ouh là là, c'est gros là. Non, là, c'est trop gros. De Karpman. Karpman. Est-ce que vous connaissez le triangle de Karpman? Est-ce que vous connaissez ce fameux triangle de Karpman? Non. Alors, on va en parler dans quelques instants. Je vais mettre 12. Voilà. On va en parler dans quelques instants, mais sachez que le triangle de Karpman, c'est le triangle qui pourrit les relations. Non, pas Cartman. Pas Cartman, mais c'est le triangle de Cartman. C'est ce qui va vous faire devenir sauveur, bourreau et en même temps victime, petit à petit. Je connais celui des triangles des Bermudes, pas mal. Roberto, tu es revenu. Parfait. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ensuite, la sixième étape, ça va être l'isolement. Vous allez être isolé. Vous allez être isolé. Je ne sais pas si vous voyez bien avec tous les commentaires que vous mettez. Je ne sais pas si vous voyez bien le tableau. Isolement, hein, c'est la sixième étape, c'est l'isolement.
Alors, comment il va faire? Il va essayer de vous emprisonner. Et là, c'est terrible parce que ce soit la femme ou l'homme qui est dans la perversion narcissique, il va peut-être vous proposer de faire un enfant. Ou deux. Ou trois. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que là, vous avez un enfant. C'est un peu n'importe quoi, mon truc. Ok, on en reparlera tout à l'heure. Reste avec moi si tu veux. Il va faire un enfant. Il va vouloir faire un enfant. Il va dire, ça serait bien qu'on ait un enfant maintenant. Parce qu'on serait bien plus heureux si on avait un enfant. Et là, vous êtes dans le piège. Parce que si effectivement, vous rentrez dans le jeu d'avoir un enfant, là, ça va être compliqué. Parce qu'il y a un enfant au jeu. Peut-on changer quand on est pervers narcissique? Je répondrai aux questions. Gardez bien vos questions. On est au premier quart d'heure. Oui, c'est une relation amoureuse qui foire, mais qui foire bien plus. C'est pas juste une relation amoureuse qui foire, c'est un peu plus. Salut Cathy, bienvenue. En fait, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, tu sais, je pense que cette personne, tu devrais pas plus voir tes parents. Ils sont pas bien pour toi, quoi. Et je pense que c'est pas bien. Je pense que c'est pas bien que tu vois cette personne. Je pense que ces amis-là, tu devrais les laisser. Je pense que tu devrais pas. Je suis pas docteur en psychologie, mais je me suis renseigné suffisamment dessus parce que j'ai été moi-même victime de pervers narcissiques et des femmes. Donc en fait, on va commencer à vous créer une espèce de prison. Prison dorée, merci beaucoup. Prison dorée. Et ça peut être même en coupant avec tous les liens que vous avez. Oui, je connais Rémi. C'est sectaire, d'accord. Et votre animal domestique même, il peut vous avoir par votre animal domestique. Il peut vous dire, tu sais, je ne suis pas sûr que ce chien soit bien pour nous, ça coûte beaucoup d'argent, voilà. Non, je ne me suis pas renseigné sur Doctissimo, j'ai lu des bouquins. Je peux même te dire une chose, c'est que par exemple, la définition du pervers narcissique, elle date de 1986 et c'est Paul-Claude Racanier qui l'a faite. Voilà. Mais tu peux quitter ce périscope si tu penses que ce que je raconte, c'est de la merde. Mais en tout cas, n'essaie pas de faire en sorte de pervertir ce périscope. Laisse les gens écouter. Merci beaucoup, en te remerciant. Quand vous n'avez plus d'énergie, ce qui se passe, c'est que il va partir. Il va partir. Et si vous n'avez plus d'énergie, vous êtes complètement anéanti. Vous êtes complètement anéanti. Parce que vous n'avez plus d'énergie, et comme vous n'avez plus d'énergie, lui, bah, il n'y a plus d'énergie à prendre. Donc ce qu'il va faire, c'est que petit à petit, il va vous pousser vers la sortie. Si vous avez quelque chose à vous reprocher, c'est rien du tout parce que vous n'avez rien à vous reprocher. Tout simplement parce que vous êtes tombé dans un piège tout bête. Et on va revenir sur ce triangle de Cartman. C'est très intéressant. Je vais juste faire le propre pour enlever tout ça. Si je connais Rémi Buisine, oui, un petit peu. On est un peu hors sujet là. On est un peu hors sujet. Est-ce que vous avez compris pour l'instant le mécanisme? Est-ce que ça vous semble vraiment ingénieux comme mécanisme de se servir des autres? Il va se servir de votre énergie. Plus vous avez d'énergie, plus il va sentir que vous manquez de confiance et plus il va vous prendre cette énergie. C'est-à-dire que paradoxalement, vous avez énormément d'énergie. On voit pas le tableau, c'est trop bas. Là, je vais essayer de faire en sorte. Voilà. Plus vous avez d'énergie, moins vous pensez avoir de qualités, plus lui, il va faire en sorte de vous faire croire que vous avez des qualités, et vous en avez des qualités. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va tout vous détruire. Alors, le triangle, c'est comme ça. Voilà. Ici, vous avez le sauveur. Ici, vous avez la victime. Et ici, vous avez le bourreau. Voilà, le bourreau. Et ce qui se passe, c'est que chacun a son rôle à jouer et vous allez jouer les trois rôles petit à petit au fur et à mesure de la relation. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que j'aurais dû mettre le bourreau là-haut d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Votre persécuteur va vous dire que ça va pas. Après, vous allez vous poser en victime. Et lorsque il va sentir que vous êtes trop de victime,
petit à petit, il va vous valoriser un tout petit peu de manière à ce que vous gardiez cette énergie. Non, je suis pas un Illuminati. À ce moment-là, il revient comme sauveur. Et de sauveur, vous allez passer victime encore. Pourquoi? Parce que de sauveur, vous allez passer victime, bourreau, de bourreau, sauveur. Parce que chacun, vous allez faire en sorte que l'un devient le sauveur par rapport au bourreau, par rapport à la victime. L'un va devenir la victime par rapport au bourreau. Et il va y avoir un sauveur. Et ça va être jamais le même. Et ce qui est terrible, c'est qu'il va faire en sorte de renverser la situation parce qu'il va vous faire croire, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il va vous faire croire que c'est vous le bourreau. C'est vous le bourreau. C'est vous le bourreau. Et comme vous êtes le bourreau, il va se poser en victime. Et comme il va se poser en victime, à un moment donné, bah vous allez jouer le sauveur par rapport à la victime. Et à un moment donné de sauveur, bah vous allez redevenir victime parce que lui, il aura suffisamment d'énergie. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est de l'attention. Ce qu'il cherche, c'est de l'amour. Ce qu'il cherche, c'est d'aller bien. Et il n'a trouvé rien de mieux que de jouer un jeu avec vous. C'est un jeu complètement pourri. Donc, il y a des auteurs qui disent le pervers, être pervers narcissique, ça n'existe pas parce qu'en fait, on joue des jeux pourris de victimes et de sauveurs et de bourreaux, tout simplement. Mais en fait, ça existe. On est bien d'accord que ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais ce qui se passe, c'est que c'est plutôt une étiquette qu'on a collée sur un principe psychologique qui est basé sur parce que je manque d'amour, je vais piquer toute l'énergie aux autres de manière à aller mieux. Je m'appelle Lionel. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous voulez faire en sorte de ne pas être victime, il faut pas jouer ce jeu. Il faut pas du tout jouer ce jeu. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Et pour sortir de là, il faut faire en sorte que vous vous connaissiez un maximum, que vous vous connaissiez sur vos qualités, vos défauts. C'est vicieux, mais c'est assez courant. Ben, c'est assez courant parce que les gens manquent d'estime de soi, de confiance en soi, et parce que être pervers narcissique, c'est pas une maladie, c'est simplement un mécanisme, qui fonctionne pour gagner de l'amour. On va devenir parano dès que quelqu'un est positif avec nous. Non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, mais ce qui se passe, c'est que par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête, l'exemple, des femmes battues. Je sais pas s'il y en a. L'exemple des femmes battues, le bourreau de la femme battue va faire en sorte que les coups ne se voient pas. Et c'est encore plus pernicieux chez les femmes, parce que chez les femmes, c'est encore plus psychologique. Mais il ne faut pas que ça se voie qu'on est dans la manipulation de l'autre. Donc en fait, voilà. Donc vous avez quelqu'un qui va faire en sorte de vous rabaisser. Il va vous rabaisser chez vous. Il va vous rabaisser lorsque vous êtes seul avec lui. Il va peut-être même vous frapper. Et après, namasté, t'inquiète pas. Tu peux voir la rediffusion. Et ensuite, ce qu'il va essayer à faire, c'est qu'il va jouer un autre rôle. Là, son épargne, ça peut... toutes les... Oui, c'est mon PC. Pardon, tu m'as un peu coupé là, désolé. Oui, en fait, il va jouer un autre rôle, le rôle de la personne idéale. Il va se montrer sous son meilleur jour. Il va mettre un autre, masque. Et comme il va faire un autre masque, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va vous dire, mais je comprends pas pourquoi tu dis qu'il est terrible avec toi. Il est génial, ce mec. Moi, franchement, si j'étais pas marié, mais je tomberais amoureuse. T'as de la chance d'être avec lui. C'est incroyable comme t'es génial. Il est génial avec toi, mais c'est génial votre rencontre. Le problème, c'est que quand vous êtes chez vous et quand le pervers narcissique enlève son masque, là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est terrible parce qu'il va à fond dans comment dire, dans la destruction. Vous êtes détruit et une fois que vous êtes détruit, bah, c'est vraiment compliqué parce que il a besoin de vous garder encore le peu d'énergie qui vous reste, donc il va encore vous sauver. Et c'est un cercle vicieux. C'est vraiment un cercle vicieux. Vraiment un cercle vicieux. Alors,
J'avais dit une demi-heure, on n'est pas loin de la demi-heure. J'espère que j'ai été assez clair. C'est quoi un pervers narcissique? Alors, tu pourras revoir la rediffusion parce que je vais peut-être pas redire tout. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez faire, par exemple, comme vous connaissez South Park, je crois que c'est la diapo suivante. South Park, regardez l'attitude de la mère. Alors, il y a des mots grossiers, mais regardez l'attitude de la mère. Est-ce que ça va marcher? Ça va peut-être pas marcher. Ça va peut-être pas marcher. Est-ce que Cartman, je l'ai? Oui, je l'ai. Voilà. Alors voilà, je vous remontre un petit peu quand même. Je vous remontre comment ça marche le triangle de Cartman. C'est ça. Vous voyez ici bourreau. Voilà, le bourreau. Ici, la victime. Et ici, le sauveur. Voilà, bourreau, victime et sauveur. Et vous allez sans arrêt tourner dans ce cercle. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans ce cercle? Eh bien, vous allez faire comme la maman de Cartman, lorsqu'il l'insulte et lorsqu'il l'humilie, elle fait ceci. Vraiment, merde, roule plus vite! Le KFC de Salida est très loin de chez nous, poussin. Sois patient. Roule plus vite et ferme ta gueule! J'ai envie de poulet depuis trop longtemps! Eric, on est presque à Frisco. On peut aller au Church Fried Chicken si tu veux. Quoi? Le Church Fried Chicken a un goût de merde de chat! Bon, chérie, inutile de t'énerver. T'encule! Si vous faites en sorte de connaître votre valeur, vous n'allez pas pouvoir être détruit par un pervers narcissique. Parce que lui, ce qu'il va chercher, tout simplement, c'est à faire en sorte que vous perdiez confiance, que vous n'ayez pas d'estime, et il va se servir de votre énergie. Alors que si vous avez confiance, si vous avez de l'estime, si vous vous connaissez par cœur, si vous connaissez vos défauts, il n'y a pas de souci.